Eh ouais, maintenant ça va être ça le problème. Allez trouver la surface là-dedans. Non, je vais périr ici. Salut à tous, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Subnautica. Alors tout d'abord, avant de continuer le jeu, j'aurais voulu remercier Mastered qui est à l'origine de l'intro que vous voyez désormais en début de vidéo. Donc Mastered qui a aussi une chaîne de jeux vidéo. Donc en fait il a deux chaînes de jeux vidéo. Alors il fait vraiment des vidéos de bonne qualité, donc ses vidéos ils sont en 1080p, donc Full HD, il joue sur PlayStation 4. Et si vous voulez aller voir ce qu'il fait, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, maintenant tout ceci étant dit, nous on va continuer le jeu. Alors la dernière fois, on s'était arrêté dans la base. Je sais même plus ce que j'avais dans mes coffres. Métal. Donc la dernière fois aussi, on avait récupéré le sous-marin. Je vais convertir tout le métal que j'ai ramassé en titane. Donc ça, le titane, bien sûr, ça va nous servir pour la base. Qu'est-ce que ça dit? Ok, ça dit que j'ai récupéré pas mal de titane. Voilà. Alors, on va descendre un peu. J'espère que j'ai toujours mon sous-marin qui est garé à côté. Impeccable. Le petit vaisseau de Goldorak. Ça, c'est cool. Allez hop. Avec ça, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur. Voilà, on va essayer d'aller voir par là. La dernière fois, je sais qu'il y avait une brèche. D'ailleurs, je l'avais pas retrouvée. Je compte bien la retrouver cette fois. Ah, faut surtout que je fasse gaffe aussi à l'énergie du sous-marin. Il y avait une cavité la dernière fois, là. Tiens, elle est pas là des fois? Non? Il y a une grotte là. D'accord, on est quand même déjà à plus de 100 mètres de profondeur. Oh là, c'est cuit lui. Ah ouais, je le connais. Par contre, ouais, j'aurais bien voulu retrouver la cavité de la dernière fois, ça aurait été vraiment sympa. Je me souviens plus où elle était, la grotte. Où est-ce qu'elle pourrait être? Parce que là, je suis en train de bouffer toute l'énergie du sous-marin. Par contre, c'est pareil, je commence à avoir faim, avoir soif. Et je trouve pas cette cavité. J'ai rien à manger sur moi? Ah, je peux pas ouvrir mon inventaire quand je suis dans le sous-marin. Bon, je vais regarder vite fait. Pour que je le perde pas. J'ai rien mangé sur moi. Tiens, je vais essayer d'aller voir ça. Hop. Titane. Allez, vas-y, je le prends. Par contre, ça. Voilà. Je voudrais bien essayer de le mettre là-dessus, là. Voilà. Impeccable, regardez ça. Il est pas bien, là. Ah. Bon, ce que je vais faire... C'est que du coup, bah, j'ai pas trouvé la cavité. On va rentrer vers la base, on va aller manger un bout. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que le machin derrière, il tape un peu, là. Je sais pas ce qu'il fait. Ah bah tiens, bah non. On peut manger un bout, tiens. On va manger ici, tiens. Ici, on est pas mal. Ça, c'est très bon, ça, à manger. C'est plein de vitamines, ça. La crêpe vine. Ça, ça remonte bien la faim, ça. La faim et la soif. Voilà, je pense que là, ce sera pas mal, là. Ouais, là, on est pas mal. Il est où, mon Semos, là? Ah, il est là. Vous voyez, ça sert, le petit machin, là. Hop. Ah, par contre, énergie, j'ai plus grand-chose. Bon, vous me direz... Ça va que j'ai une batterie de rechange. Bah alors, où est-ce qu'elle va pouvoir être, cette cavité, là? Oh! J'ai plus de batterie. Non! J'ai plus de batterie, il est en train de m'attaquer. Allez. C'est bon, j'ai le petit machin. Elle est où ma batterie? Elle est où ma batterie? Hein? Ah merde! Faut que j'aille chercher une batterie. On retourne à la base. Je peux pas laisser mon sous-marin comme ça, attends. J'ai déjà galéré à l'avoir. Il me semblait pourtant que j'avais une batterie sur moi. Non, bah moi que j'ai dû la laisser dans le coffre. Je vais aller voir ça. Il n'y a pas de batterie là. Qu'est-ce que j'en ai fait de la batterie? Non plus. J'étais sûr d'avoir une batterie. Qu'est-ce que j'ai foutu de la batterie moi? Je l'ai utilisée? Je l'ai pas utilisée la batterie ici? Bon bah écoutez, c'est pas bien grave hein, au pire. Je vais refaire une. Et puis c'est tout. Par contre du coup pour refaire une batterie, il va me falloir du cuivre. Ah c'est quoi ça? Du métal. Non ça m'intéresse pas. Titane, je prends. Bon, du coup, le sous-marin, il est pas perdu, il est là-bas. Oh, tiens, lui, faut qu'il vienne là. Ça va me faire de l'eau, ça. Allez, viens là. Voilà.
lui c'est pareil. Voilà. Impeccable. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ouais, je remonte. C'est bon. Voilà. Attends, je suis sûr qu'elle est. Elle est pas par là la cavité. J'aurais dû me fabriquer un deuxième radar là. Je crois qu'elle est par là. Bon, par contre, ce que je voudrais bien trouver, c'est du cuivre. Donc, je sais que le cuivre, c'est vers les plantes vertes. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup à chaque fois là-bas. Ah, bah tiens. Il y en a là. Du quartz. J'ai encore de la place, moi. Ouais. Encore du quartz. C'est pas vraiment le quartz que je voudrais trouver pour l'instant, là. Ah, bah voilà. Ça, je prends. Du copper. C'est quoi la différence entre le cuivre et le copper? Je crois que c'est pareil, hein. Il me semble, hein. Je sais pas si c'est un bug de nom ou... Mais il me semble que le cuivre, c'est du copper et vice-versa, quoi. Putain, ça fait vachement noir, là-dedans. Je ne vois rien du tout. Ah, bah voilà, tiens, c'est par là que je voulais aller, moi. Je vais remonter un peu quand même. Ouais. Attends, j'ai encore de la place. Un petit peu, ouais. Ce serait bien que je trouve du cuivre. Tiens, regarde, là, il y a des rochers, là. Il y a du titane, vas-y, j'en veux même pas, le titane. J'en ai plein, je suis blindé. Moi, c'est du cuivre que je veux, là. Ah, bah voilà! Ça, j'en veux, ça! Putain, il y a des rochers partout, là, je suis plus donné de la tête. Titane. Cuivre! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une batterie. Par contre, avant de fabriquer une batterie. Ah, bah ouais, il me faut de l'acide morchoum. Bah, vas-y, c'est pas grave. Titane, allez hop, dégage. 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 Et dégage. Voilà, on va se prendre un peu. Du sel, je le prends. Voilà, un mentor est full, je pense que c'est pas mal là. Allez hop, faut moins que je fasse deux batteries. De l'eau. Ça m'intéresse. Hop. Une batterie. Est-ce que je peux en refaire une? Ouais, je peux en refaire une. Yes. Impeccable. J'ai combien de batteries sur moi? J'ai trois batteries. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du verre. Ça va me débarrasser de mon quartz. Ok, très bien. Bon, là par contre, je vais aller chercher le sous-marin. C'est pareil, j'ai plus que 12% d'énergie dans mon propulseur là. Yop. Alors, R. Ah, faut peut-être que. Pourquoi j'ai plus que deux batteries? Attends. Voilà. Je vais la mettre là. Pourquoi j'ai plus que deux batteries déjà? J'en avais trois. C'est mon propulseur que j'ai rechargé. Comment qu'on fait pour recharger le sous-marin? Énergie 0%. C'est pas avec un power cell qui se recharge, non? On va retourner à la base, je vais essayer de faire un power cell. Et puis bah je vais bien voir si c'est ça qu'il faut pour recharger le sous-marin ou pas. Hein. Mais ça m'étonne, il me semblait quand même que c'était les mêmes batteries que. Ah, que le propulseur quoi. Voilà. Fabricateur. Power cell. Voilà. C'est bon là, je l'ai sur moi. Impeccable. Je vais retourner au sous-marin. Et puis je vais voir. Je vais voir si c'est ça qu'il faut pour recharger. Voilà. Comment je fais pour le recharger maintenant? Attends, je vais le mettre sur 3 ça. Voilà. C'est pas comme ça. Pourquoi il se recharge pas? Ah! Échange power cell. Ah bah voilà! Impeccable! C'est bon là. Allez, go! Ça c'est cool, ça fait plaisir. J'ai récupéré le sous-marin là. Par contre, ce qui ferait plaisir. Ah, ce qui ferait plaisir, c'est que je retrouve ça. Yes. Voilà. Là, on va pouvoir aller visiter les abysses un petit peu. On va pouvoir aller visiter ce qu'il y a au fond, là. Ça va être bon, ça. Ça va être bon. C'est quoi, ça? Il fait bien noir là-dedans, hein. Il y a plus de 200 mètres de profondeur là. Ah non, mais non. C'est des dragons là. Des hippocampes. Comme d'habitude. Ils sont mignons ceux-là. Non, c'est quoi ça? Euh.
croyez que je peux en attraper un comme ça? Ouais, non. On va remonter en dessous, non. Regarde ça. Mais dégage, toi. Ils sont en train de me casser mon sous-marin là. Attendez, je suis sûr qu'il y a des trucs de fou ici là. Et là, si j'ai plus d'énergie, on est mort. Hein. Oh, ça par contre, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants là-dedans. C'est quoi? J'ai même pas vu ce que j'ai ramassé. En plus, je crois bien que c'est du titane. Par contre, ça. Ouais, ça, je vais le prendre, ça. Qu'est-ce qu'il fait J'ai faim. Non, mais allez, là, sors. Voilà, j'ai ramassé ça sans faire exprès. Hop. 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 Allez, allez. Allez, sors-le. Voilà. Impeccable, il est collé dessus, c'est bon. Faut que je fasse gaffe à l'énergie et à la vie du sous-marin aussi. Oh, il y a encore des monstres là. Attendez, on est en train de s'enfoncer là. Ah, regardez ces poissons là. On en a déjà vu des comme ça. Je vais en ramasser un. On les dissèquera quand on sera à la base. On fera des expériences. C'est quoi ça? Non. C'est quoi ce machin? Oh, y a carrément une grotte ici et tout. Peut-être aller là-dedans. Non. Mais non, lâchez-moi. Champignons là. Mais où est-ce que je suis en train de m'enfoncer moi? Croyez que je vais avoir assez d'énergie pour remonter à la surface? Je suis pas sûr hein. C'est quoi ça? Allez. Il est où le caillou? Oh yes, de l'or. Je vais en prendre là. Yes, de l'or. Y a pas d'autres cailloux? Non. Bon, on va continuer par là. Bah ouais, à cette profondeur, je pense que c'est de l'or qu'on ramasse ici. Hein. Ah ouais, putain, j'ai faim. Ok, d'accord. Est-ce que je peux manger ça? Ah, par contre, j'ai soif maintenant. Bon, écoutez, je pense qu'on va essayer d'entrer à la base. Regardez, on peut encore s'enfoncer et tout. Avec les espèces de, je sais pas quoi là. Vous voyez que mon bonhomme il va résister à la pression là? Non, non, on va remonter. Elle est où la base? Eh ouais, maintenant ça va être ça le problème. Allez trouver la surface là-dedans. Non, je vais périr ici. Y'a pas moyen, y'a pas moyen, non, non. Non, 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 non. Allez là. Où est-ce qu'elle est la base là? Va-t'en toi. Non, non, non. Non, 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 non. Vas-y, on va essayer d'y aller tout doucement. Voilà, je pense que je suis sur la bonne route, là. Mais non, mais je vois rien du tout. Je vois rien. Je vois absolument rien du tout. Je ne vois rien du tout. Il fait noir de chez noir. Oh, yes, c'est cool. J'ai retrouvé la surface, quoi. Un peu d'air frais, là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner à la base, là. Putain, on a récupéré de l'or, quoi. Franchement, on a récupéré de l'or. Là, c'est cool. Pas de l'or, on en a déjà récupéré, mais là on en a récupéré au moins 2-3, je crois. Ah, la misère, on a faim, on a soif. Voilà, je vais me garer ici tranquillement. Je vais prendre. Non, 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 lui va-t'en. Voilà, je vais ramasser des trucs à manger. Regardez, tiens, il y en a encore un en bas là. Voilà, on va prendre celui-là. Je vais voir ce qu'il me faut pour fabriquer le gros sous-marin. Qu'est-ce qu'il me faut?
craft, menu véhicule. Cyclops. Bullet, Plastilago. Enamelette glace x5. Advanced Workit. Bon, c'est moi, ça, je l'ai déjà. Plastilago. x5. C'est quoi ça, Plastilago? Plastilago, Enamelette glace, Advanced Workit. Enamelette glace, il m'en faut 5. Stalker tous. Plastilago, voilà, titanium mago et lithium. Lithium? J'ai jamais trouvé du lithium. J'en ai pas trouvé du lithium, ça, je crois. On passe. Ah, on passe. Et Advanced Workit. De l'or et computer chip. Eh bah, dis donc. Bah, ça va pas être évident à voir tout ça. On va sur ça. Je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que c'est une petite. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit masque de plongée là. Attends, je vais aller essayer ça dehors. Ah, c'est peut-être pour respirer plus longtemps. Je sais pas. Je vais aller prendre le builder. Il est où le builder? Le builder, il est là. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer à construire une base. Je vais prendre qu'une bouteille de plongée. Non, je vais en prendre deux quand même. Voilà. Ok, on s'en va de là. Je vais essayer de trouver un coin sympa. Elle est là, la cavité. Alors, ce serait bien que je construise ma base ici, du coup. Base fondation. Voilà. Base corridor. Alors ça, c'est pour le début, hein. C'est histoire, je fais ça histoire de prendre quand même de l'oxygène vite fait. Base hatch. Voilà, impeccable. Comme ça, je peux reprendre mon oxygène, c'est cool. Super. On va refaire des fondations. Hop. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà. On va refaire une fondation juste à côté. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on a moyen de refaire une fondation? Bah oui. Hop, applicable. Encore une petite fondation. Histoire qu'on se fasse quand même un truc bien. Voilà. Par contre, on va bouger le sous-marin. Voilà. Base, corridor. Voilà. Impeccable. Eh ben, impeccable. Ça, déjà, c'est pas mal pour un début, là. Par contre, est-ce que j'ai moyen de fabriquer... Ah, voilà. Ça, ce serait pas mal, ça. Un petit fabricateur. Je vais mettre ça là, en attendant. Voilà, comme ça. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Bien sûr que je peux pas l'utiliser. Il faut que je fasse un générateur. Je vais faire des fenêtres aussi. Hop. Voilà, je vais faire une petite fenêtre là. Power générateur. On va mettre ça dehors. Voilà. Hop. Impeccable. Est-ce que ça va marcher le fabricateur? Je pense que oui. Ah bah voilà, là ça marche. Là, c'est cool, là. Yes. Voilà. Je vais faire ça. Je vais le mettre là. Hop. Hop. Voilà, je vais le poser là. Comme ça, je sais où je reviens. Et je vais partir un peu. Ah non, je suis dégoûté. J'ai plus de batterie. La base, elle est juste à côté. Donc, il faudra que je me souvienne que le CMOS est juste à côté de la base. Pour justement revenir avec ce qu'il faut, quoi. Oh, pop, 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 pop. Wouh. Oh la vache. Il a eu chaud, mon bonhomme, là. Bon, bah voilà. Là, on a plutôt bien avancé dans la base. Je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode aujourd'hui. Et puis, on reprendra très prochainement la suite. En attendant, je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde. Bye.